Bonjour, bon, aujourd'hui je vous parle de l'huile de ricin. Voilà, je vous la fais courte parce que j'ai un message à passer. Donc l'huile de ricin, c'est très bien contre les douleurs et contre les problèmes internes au niveau intestinal, au niveau des tissus. C'est un dépuratif. C'est très puissant, surtout il ne faut pas l'avaler. Donc voilà ce que je fais. Moi j'ai un petit ramequin et dès que j'ai mal quelque part, mais vraiment j'ai mal quoi, je prends donc toujours ce même morceau de tissu qui pour moi est une vieille chaussette que j'ai coupée. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Je rajoute un peu d'huile de ricin dessus et c'est bon quoi. J'enfourne pour 10 minutes porte fermée. Voilà, derrière ça je mets un bon peignoir. Bien gras, pas beau, parce que j'utilise toujours le même. Je protège les draps, je vais m'allonger et le tour est joué. Voilà, donc je vais vous montrer aussi comment je découpe, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà la super chaussette, vieille, usagée, qui craint plus rien. Donc moi ce que je fais, c'est... au début je faisais ça, je mettais 40 ml d'huile de ricin à chaque fois, et puis finalement je garde la même chaussette, parce que sinon l'huile de ricin, au secours, il n'y en a plus. Donc je coupe le bout, hein, tout simplement. Voilà, je coupe ce bout-là, hop, il reste ça. Je coupe sur toute la longueur. Voilà. Et voilà, c'est un morceau de tissu donc qui absorbe, assez grand quand même, donc il peut s'étaler. Si on veut, ce qu'on peut faire, c'est qu'on le plie plusieurs fois, comme ça, ça reste plus chaud plus longtemps. L'idée, c'est que ça reste bien chaud. Voilà. Allez, prenez soin de vous.